Est-ce que vous êtes surpris ? Non, je pense que les Ukrainiens sur place ne sont pas forcément surpris. Il faut savoir que pour beaucoup, ils sont scotchés à l'actualité. Dans ces situations, on regarde son téléphone, on suit la radio, la télé pour savoir ce qui se passe. Et ils nous ont confié, quand nous étions là-bas, qu'ils passent d'une émotion à une autre très rapidement. C'est-à-dire qu'ils vont lire, eh bien, comme vous, comme nous, que les troupes sont en train de partir. Donc ils se réjouissent, c'est peut-être une bonne nouvelle, ils se sentent plus optimistes. Et puis, inévitablement, tout à coup, cette information peut être démentie. Et dans ce cas-là, eh bien, ils retombent dans cette espèce de pessimisme, cette crainte. Il faut savoir qu'ils se préparent au pire. Ils ont inspecté tous les abris anti-bombes. Il y en a plus de 500 à Kiev pour certains. Des citoyens ordinaires, ils se préparent à utiliser les armes. Pourquoi ? Parce qu'ils ont l'impression d'avoir été abandonnés par Kiev, par l'Occident. Cette annexion de la Crimée qui les a traumatisés. Donc nous avons suivi. Ils apprennent à tirer, ils apprennent le combat rapproché. Ils apprennent les premiers soins avec des infirmières qui ont servi à Maïdan. Donc ils se préparent véritablement au pire. Ils vous disent, avec la Russie de Vladimir Poutine, il faut se préparer au pire. Que vont devenir les militaires ukrainiens qui ont quitté les bases de la Crimée ? Alors selon les chiffres qu'on a, il s'agit seulement d'un tiers des soldats qui étaient postés en Crimée, donc des soldats ukrainiens. Pour eux, eh bien, ils vont rejoindre l'armée en Ukraine, entre qu'elles en auront la possibilité. Il y avait cette guerre de propagande qui était spécialement troublante entre Moscou et Kiev. Vous aviez d'un côté Moscou qui disait à ses soldats « Ne quittez pas la Crimée, si vous rentrez en Ukraine, vous serez considérés comme des traîtres ». De l'autre côté, vous aviez Kiev qui disait « Absolument pas ». Vous serez les bienvenus, vous pouvez rentrer. Mais la réalité est que voilà, une grande partie de ces soldats eh bien, sont restés en Crimée. Certains sont désormais des civils, d'autres sont restés dans leur base. Finalement, ils travaillent, si je puis dire, au même endroit, mais pour un drapeau différent, avec à la clé eh bien, une augmentation de soldes, en tout cas, qui était promise par Moscou. Alors, vous êtes rendu en Crimée, vous êtes rendu à Kiev. Quelle différence avez-vous vu, quelle différence avez-vous ressenti entre ces deux parties de l'Ukraine ? Alors déjà, il faut savoir que c'est une aventure de se rendre de Simferopol à Kiev. Il n'y a que 800 km. La voiture n'est pas vraiment une option puisque la route est dangereuse. Il n'y a que deux checkpoints, deux points de passage où certains de nos confrères ont eu des problèmes. Ils ont été intimidés par des miliciens. L'autre option, c'est l'avion. Mais maintenant, les seuls avions qui quittent Simferopol passent par Moscou. Alors si vous voulez, d'un point de vue géographique, ça n'a pas de sens de passer par Moscou pour aller à Kiev. Donc nous avons pris le train. Ça met 16 heures. On va à 50 à l'heure en moyenne. Et quand vous arrivez là-bas, c'est un autre monde. Si vous voulez, en Crimée, en tant que journaliste occidental, vous êtes un petit peu quelqu'un qui ne peut pas faire confiance. En revanche, quand vous arrivez à Maïdan, vous êtes le bienvenu, on veut vous parler, on veut vous raconter son histoire et si vous voulez, l'ambiance est très différente, la parole est libérée, mais je crois qu'encore une fois, là-bas, en tant que journaliste, il faut faire attention à ne pas être trop séduit par ce côté Maïdan qui est très plaisant, qui est très satisfaisant pour un journaliste occidental, mais il y a quand même une propagande là-bas, il y a une grande scène où tous les soirs, il y a des concerts et voilà, et puis il y a des intérêts politiques. Alors justement, Timoshenko et Porochenko sont les deux principaux candidats de la présidentielle, qui est prévue le 25 mai, sont-ils capables de redonner confiance aux Ukrainiens ? Bon, il faut savoir que Petro Poroshenko a promis, en cas de victoire à l'élection présidentielle, de renforcer l'armée, de défendre le territoire. Donc forcément, c'est une annonce qui fait écho à ce traumatisme de la perte de la Crimée, puisque si une majorité, en tout cas selon les résultats du vote des habitants de la Crimée, a voté en faveur du rattachement à la Russie, pour les autres, ceux qui sont en Ukraine, notamment à Kiev, c'est un traumatisme. Ils se sentent complètement amputés d'une partie de leur territoire. Donc Petro Poroshenko a promis de faire un effort dans ce sens-là, mais ce sera très difficile. Et puis il faut savoir que ces militants de Maïdan se sont battus contre la corruption, mais ces deux candidats leaders, eh bien, sont pas forcément complètement blancs. Il faut savoir que pour beaucoup de militants de Maïdan, Yulia Tymoshenko fait partie de la vieille garde qui a profité de cette connivence entre le monde des affaires et de la politique, et que Petro Poroshenko est un milliardaire qui possède un empire du chocolat. On l'appelle d'ailleurs trivialement le roi du chocolat. On peut dire que les nouvelles autorités de Kiev vivent sous surveillance de la population de Kiev. On se rappelle, vous avez ramené ces images de vous au milieu des barricades. Elles sont toujours présentes à Kiev ? Elles sont toujours là. Et si vous voulez, les militants vous disent on ne quitte pas Kiev tant qu'on n'a pas... On ne quitte pas, pardon, Maïdan, donc cette place centrale de la capitale, tant qu'on n'est pas rassuré, comme vous le disiez. Le problème, c'est que ces deux candidats ne seront pas forcément à même de les rassurer. Et puis l'autre question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ces barricades, puisqu'il y a une vie qui s'est installée à Maïdan. Vous avez des dizaines de personnes qui font la queue tous les jours pour recevoir un petit peu de soupe, un petit peu de pain. Vous avez des militants qui dorment là-bas. Donc il va falloir, si demain les autorités décidaient de les chasser, ça ferait quand même du bruit. Et puis je ne pense pas qu'ils se laisseraient faire forcément facilement. Une dernière question sur le ressenti. Qu'est-ce qui vous aura marqué le plus lors de votre séjour en Ukraine, si j'ose dire ? Quelles sont les images qui vous reviennent ? Je pense que cette image frappante, c'est vraiment celle des militaires ukrainiens qui étaient coincés dans leur base. Ils étaient encerclés, ils dépendaient de l'extérieur pour pouvoir se nourrir. Et puis il y avait deux couches de gens qui les empêchaient de sortir. Il s'agissait de miliciens
pro-russe et de l'armée russe qui était beaucoup mieux équipée qu'eux, avec des véhicules blindés. Donc on devait faire les interviews, vous savez, à travers une grille, à travers un grillage, ce qui était quand même particulièrement humiliant pour les militaires ukrainiens. Merci Ben Barnier d'être venu sur le plateau de France 24 pour témoigner sur l'Ukraine. Sans transition, ce qui fait le buzz sur Internet, c'est sur le net. Et on commence avec Rémi Gaillard, dernière vidéo polémique de l'humoriste français.